Yo les gars, c'est Kinui, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je tenais vraiment à vous remercier pour les 25 000 abonnés. Enfin, on n'y est pas encore vraiment. Voilà, vous êtes quasiment 25 000 sur ma chaîne et ça fait extrêmement plaisir. Et comme maintenant vous êtes de plus en plus nombreux, je me suis dit que j'allais vous dire mon terrible secret. Donc pour comprendre, il suffit de se rendre sur YouTube. Ok, donc là on est sur ma chaîne, donc vous pouvez voir mes vidéos machin. Et comme vous pouvez le voir, ma première vidéo date de 3 ans. Et le truc, c'est que... bah c'est pas ma première vidéo. Effectivement, vous pouvez vous en douter, il y a un petit détail, laisse deviner. Non, t'as pas trouvé? Bah c'est une vidéo spéciale sans abonnés, hein. Et quand tu crées ta chaîne, t'as pas direct sans abonnés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter sur mon compte et que je vais vous montrer que c'est pas ma première vidéo. Pour vous, ma première vidéo est juste ici, mais vous allez pouvoir constater qu'il y a beaucoup de vidéos en non répertorié. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé After Effects et comme je regardais les vidéos de Wartech, bah ils faisaient beaucoup de montage sur Call of, etc. Je me suis dit pourquoi pas faire un montage, tout simplement. Mon premier montage qui est ici, 212 vues n'empêche, faut pas déconner. 10 j'aime, 720p, bah putain, mais ça va. Déjà rien que le titre, MW3 montage X6 9 2 4 6 hashtag 1. Parce que oui, j'en ai fait plusieurs. Maintenant on va regarder un petit bout de montage, c'est parti. Non je déconne, c'était pas le mien. Voici maintenant le mien. Ouais, c'est mieux. Ah c'est mieux. La honte. Ah oh, putain, ça fait mal à la tête. Et alors là c'est l'edit, mais regardez les clips. Ouais, une double en RD. Super. Hop, c'est 4. Ah non, 3, 6, c'est 4. Puis après je meurs. Ah non, je tue le mec. Putain, mais je suis trop bon quoi. J'étais pourri. Non, mais pour l'époque. Ah non, c'était de la merde. Mais pour moi, c'était ouf quoi. Enfin bref, voilà. Oh putain, je me souviens de ça. Florian, alors tu vas me défoncer, mais c'est pas grave. En fait, c'est la première vidéo commentée. Donc c'était du live avec Florian. Donc Fly du 9-2, Nuclear Games, Florian, blablabla. Bla, bla. Oh l'intro gamoniaque quoi. Non, mais sérieux. La pub en plus, on va cliquer dessus. Un peu d'argent. Non, je plaisante. Je suis pas tout seul, je suis accompagné de Fly du 9-2. Salut tout le monde. Donc là vous avez entendu ma voix et puis vous avez aussi entendu celle de Florian. Bon, et ce que je voulais vous montrer c'est pas vraiment ça, c'est plus au milieu en fait de la partie. Regardez. Regardez, c'est tout ce que j'ai à dire. Il a cru que j'allais pas le voir lui. Vous avez entendu sa voix? Non mais Florian, tu vas avoir le seum, je le sais. C'est leur façon. C'est leur façon. Moi je suis dans leur spoon. Moi je suis dans leur spoon. Je trouve personne. Je trouve personne. Scorpion. Scorpion. J'ai eu peur. Ah non. T'as Florian. Florian, mais pourquoi tu parles comme ça? C'est quoi? Alors cette vidéo, je vais pas la mettre en privé. Je vais la mettre en non répertorié et je vous mettrai le lien dans la description. Voilà. On peut rigoler, c'est bon Florian, tu vas pas mal le prendre. Maintenant ce qu'on va faire, c'est que c'est à mon tour hein. En fait il y a pas longtemps j'ai retrouvé un dossier dans lequel il y a quelques vidéos que j'avais tournées il y a beaucoup de temps, bien avant d'avoir créé cette chaîne YouTube, donc c'était en 2009, un truc comme ça, je sens qu'on va bien se foutre de ma gueule. Ok, donc ça c'est une vidéo que j'avais tournée avec mon pote Simon en vacances, donc c'était il y a super longtemps, sur plusieurs jours on avait tourné un petit truc qui n'avait pas beaucoup de sens, mais au final ça rendait pas mal. Moi j'avais pas fait le montage, puis vous allez voir que je suis un très bon acteur. Bon je vous laisse la vidéo, on s'en fout de ce que je dis, je vous le mets en plein écran parce que là ça vaut le coup. Donc ça c'est pas moi hein. C'est mon pote. D'ailleurs je sais même pas s'il veut qu'on le voit sur la vidéo. Ah il met les lunettes et tout le mec. Ça c'est un petit montage pour dire qu'on va à la plage. C'était à la boule pour ceux qui connaissent. Et même pour ceux qui connaissent pas, c'était aussi à la boule. Et voilà. J'étais petit, on va me voir courir je crois. Voilà. Identity, ouais. Nouveau film de l'année 2015. 16, pardon, on est en 2007. Hop, c'est parti. Ouais, y a pas de but, hein, comme je vous ai dit. Donc là, je cours, c'est moi. Je monte sur un mur. On peut voir que j'ai une petite blessure juste ici. Du coup, j'ai mis un petit pansement. Voilà, bon. Voilà, là, je monte. On peut voir que je suis soufflé vraiment. C'est très compliqué. Hein. Hop, on saute. Et là, le mec, il monte aussi. Voilà, c'est une course-poursuite, quoi, en gros. Hein. J'avais les cheveux plutôt longs aussi. On peut le voir. Des lunettes assez ridicules. Bon, bref. Hein. Oh, je saute par-dessus la caméra et je retombe de l'autre côté. N'empêche, c'était bien fait. Hop, hein. C'était bien fait. Oh, le mec il tombe, il se relève, toujours ma petite blessure et tout. Ah, oh, puis descend les escaliers en courant. Hop, je t'ai vu, je t'ai vu. T'as failli tomber. Là, hop, hop, ah, juste là. Merde, j'ai raté. Hop, non, hop, non, hop, là, là. J'ai failli tomber. On peut voir avec le mouvement de mon bras. Regardez bien. Ah oh, putain, non, c'est bon. Hop, oh putain. Ah oh, mon gars, mes films à gros budget, vraiment. Là, le mec il saute sur le vélo et tout. Je me souviens d'un truc. Là, comme on peut le constater, je suis en t-shirt. Voilà. Et là, je suis en pull. Voilà, donc c'est un faux raccord. Oh putain, là. Oh, la gueule. Enfin, voilà. Oui, oh, il y a des petits faux raccords comme ça, mais bon. J'avais 10 ans, tu vas pas me saouler. Hop, course poursuite. J'ai failli me prendre le truc, le poteau, là. Enfin, c'est pas un poteau, mais tu m'as compris. Dérapage dans la fumée et tout. Ça fait pas mal à la tête, vraiment. T'as pas envie de vomir, là. Alors là, cascadeur de ouf. Je tombe du vélo. Hop, je me coince le pied dans la selle. Là, j'ai failli tomber encore une fois. Le mec, il va se tuer dans la vidéo. Gros plan sur ma tête quand je cours. Vraiment, j'aime bien. Là, le mec, il me marche sur le pied, du coup. Enfin, tu vois en même temps le montage.
Oh putain, waouh, c'est bien fait. C'est bien fait, et je suis mort dans des pics. 24 heures plus tôt, il parlait un peu anglais aussi. Then the fucking ancient scan point FGK W Ankensner Peterson Thomas CIA agent Volchkai Frederick KGB agent. Là il a hacké le système, tu vois, de la CIA. Là il avait 10 ans. Et là hop, on peut voir qu'en fait le méchant, c'était pas moi, mais c'était lui. Il a inversé les rôles. Mais je vous ai pas montré le pire. Ah non. Alors déjà, plusieurs trucs. Qu'est-ce que c'est que ce truc sur la tête? C'est quoi cet oreiller qui est super moche? C'est quoi aussi ce top? Top au début. C'était mon père qui filmait. Je peux vous remettre encore une fois. Top. Voilà. Je peux même faire une musique avec. Top, 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 top. Non, c'est bon, c'est relou. Voilà, pendant un quart d'heure, c'est ça le film. Hein. Ah non, il se passe un truc. Dans le téléphone de 2008. Allô? Oh, la voix, non. Ah non. Voilà, donc on peut voir que, pour commencer, je suis un acteur de ouf. Parce que quand mon pote, quand il me parle, je rigole. Voilà, hein. Puis deux secondes après, je fais genre j'ai peur, mais j'ai toujours un sourire. Je regarde la caméra. C'est qui ? Voilà, j'ai raccroché, mais je demande qui c'est. On entend quelqu'un qui tape à la porte alors que ça n'a rien à voir. Et là, je regarde la caméra. Pas mal, pas mal. Non, vraiment. Bah, c'est du travail de pro. Ensuite, top ! Ah bah, pour pas changer. Là, je fais le mec flipper. J'ouvre la porte. On voit le mec rigoler à la fin, quoi. Non, non, on a refait la scène au cas où. Ah, la voix. Putain, la voix, non. Ah, on entend ma mère qui fait un petit commentaire. Mais si, c'est bien. Donc ça veut dire qu'on était tous dessus, quoi. Mon père, ma mère, mon pote et moi. Mon pote, il arrive avec son faux couteau et son masque de merde. Et il y avait une autre prise. Je me souviens, on avait refait ça. Je vous la porte. Je rigole encore. Et mon pote, ça j'étais mort. Mon pote, il est tombé. Et il y a une dernière vidéo que je vous ai pas montrée, que vous voyez depuis tout à l'heure juste ici. Salut Thomas, ça va? Salut Thomas, ça va? Ah, salut, ça va? Ouais, salut, ça va? Oui, j'ai fait 4 ans et demi de piano. Alors de quoi on parle? De ma coupe de cheveux, de mon pull ridicule, de la chaise qui grince, la qualité de la vidéo et de l'audio aussi. Ou alors du Pac-Man qui est en fond là. Et n'empêche, c'est émouvant quand même. C'est sympa, c'est sympa. Bon voilà, après c'est un peu tout le temps pareil, hein. On se fait un peu chier, mais bon, ça change. Aïe, merde, je me suis cogné. Et là on reprend le truc chiant du début. Ah, j'ai raté la fin! Non, Thomas! C'est bien? Non, c'est pas bien. Voilà, ah, putain, il y a une mauvaise note. Ah, ça va me stresser toute ma vie, ça. Non, c'est pas tout ton ton, c'est tout ton ton. Voilà. Bah, c'est bien, c'est très bien. Merci, papa. Salut. Salut. Le mec, il est sérieux jusqu'au bout, quoi. Salut, coupe la vidéo là, c'est chiant, salut. C'est bon, j'ai joué, tu m'as saoulé, salut. Ah, non, franchement, c'était la bonne époque, comme je vous disais tout à l'heure, c'était. Ouais, c'était un bon truc, on se marrait bien. Avec mon père, on faisait quelques vidéos comme ça, j'aimais bien. Donc avec une caméra, c'était pas HD, il y avait pas de micro, il y avait rien. C'était très différent de ce que je fais aujourd'hui, hein. Il y a pas de gaming, il y a rien, il y a pas d'humour, enfin voilà. Mis à part quand même dans le chapeau. Des fois, revoir des vidéos comme ça et tout, ça me touche, c'est un truc de fou, voir comment c'était, etc. Le pire, c'est que j'ai pas tout retrouvé en termes de vidéos, je veux dire. Parce qu'avant ma chaîne gaming, j'avais une autre chaîne qui était dédiée à la magie. En fait, c'est pas vraiment de la magie, mais en gros, c'était avec mon père, encore une fois, on faisait des vidéos, donc souvent c'était en vacances et tout, on tournait des petits trucs. Et en gros, ce qu'on faisait, c'est que, bah, par exemple, je vais vous faire une petite démonstration, hein, comme ça vous allez comprendre. Là, j'ai un téléphone, j'ai plus de téléphone, oh là là, y a aucun faux raccord. Non, mais voilà, en gros, c'était des trucs comme ça, et c'était un montage qui était pas super et tout. On mettait ça sur YouTube. Enfin voilà, on se tapait des barres avec mon père. Franchement, c'était une époque de ouf. Et papa, si tu regardes cette vidéo, je sais pas si tu la verras, mais je te la dédie, on va dire, parce que ça, franchement, c'est, on a passé des moments de ouf. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout, si vous êtes arrivé jusqu'ici. Franchement, c'est ouf. Vous êtes quasiment 25 000. C'est on va regarder, bah venez, 25 000 personnes pour voir un peu ce que ça représente. Voilà ce que c'est 25 000 personnes. 25 000 personnes, ça fait tout ça, quoi. Toutes ces personnes ont cliqué sur le bouton s'abonner de ma chaîne. Même les arbres ont cliqué, Non, je déconne, c'est pas marrant. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain troll. Et puis voilà, c'était Kinoui, Thomas, le mec au chapeau chelou. Et puis voilà, à bientôt les gars, et encore merci une fois pour tout.